Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là j'ai ultra peur. Tout le monde est en haut, Lily Rose, Peppa Pink sont en haut dans leur chambre parce que là il se passe un truc de fou. Toutes les alarmes de la maison, toutes les caméras de la maison se sont allumées, on comprend pas ce qui est en train de se passer. En gros, là derrière cette porte c'est le garage et on entend crier depuis tout à l'heure. Chut, écoutez, comme par hasard ça s'arrête. Eh oh, y'a quelqu'un? Je sais pas si vous entendez là, parce que le micro de la caméra il est pas assez puissant, mais ça fait eh oh, eh oh, depuis tout à l'heure. Du coup on a super peur d'ouvrir la porte. Lily Rose elle s'est réveillée en pleine nuit, elle est à côté de la porte, elle a cru que c'était moi qui étais bloqué dans le garage, parce que pour ceux qui ont pas suivi, ça m'est arrivé il y a environ 3-4 jours d'être bloqué dans la voiture pendant plusieurs heures, enfin bref. Du coup là, ils m'ont donné, parce que c'est mon tour, à chaque fois on dit ouais c'est le tour de Peppa Pink, etc. d'aller ouvrir quand il se passe des trucs bizarres, et cette fois-ci c'est mon tour. Donc c'est parti, j'ouvre la clé. Allez-y. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Bah j'arrive pas à sortir de la voiture. Non mais c'est le cousin. Mais oui, bah c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous as fait peur. Bah écoute, enfin j'aimerais bien dormir à un endroit, bah dans un lit, ouais tout simplement. Mais qu'est-ce que tu... Non mais attends, j'arrive. Dormir dans mon lit. Non mais c'est une blague, t'inquiète. Bah oui, regarde, gars, on peut pas ouvrir ça. Mais elle est bloquée. Même la ceinture, je peux pas la retirer. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe là? Bah ce qui se passe, c'est que, bah regarde, gars, j'arrive pas à retirer la ceinture, je suis bloqué ici. La voiture, elle est bloquée. Bah oui. Même là, c'est totalement bloqué. Non mais qu'est-ce que t'as fait encore comme bêtise? Bah j'ai rien fait, t'as pas les clés juste pour... Non mais les clés ça va servir à rien, normalement elle est pas fermée la voiture, et puis si on ouvre de l'intérieur y a pas de problème. Les amis, tout est bloqué. Bon écoute. Quoi? Là je pense savoir ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le coup il y a environ 3-4 jours. En gros... Attends, surtout ne prends pas peur, ok? Ouais. Mais je pense que notre voiture a un gros problème. Et tu sais, notre maison, elle est hantée. Il y a plein de problèmes dans notre maison. Ouais. Et je pense que la voiture, elle est hantée aussi. Oh non. Et attends. Bon, écoute. Je veux sortir. Non, mais tu peux pas non, sortir. Je veux sortir. Non, mais peur. Écoute. Bon, reste là. J'arrive. Non, mais t'inquiète pas. Oh. Bon, écoutez, les amis. Je peux pas lui dire ce qui va se passer exactement. Mais en gros, il y a 3-4 jours, quand j'étais bloqué dans la voiture, et bah. Elle voulait pas que je sorte, et des fois elle commençait à démarrer sans les clés, toute seule, elle commençait à démarrer, elle commençait à s'ouvrir, il y a le klaxon qui klaxonnait tout seul. Et en fait, dans cette voiture, quand on rentre la nuit, donc là il est, je vais vous donner l'heure exactement, ouais, comme par hasard, il est 3h du matin. Vers 3h du matin, avec cette voiture, il se passe plein de trucs. Elle démarre toute seule. Alors, elle roule jamais bien loin, mais des fois, elle fait 1 mètre, elle recule toute seule. Donc, il faut jamais rentrer dans notre voiture à 3h du matin. Sauf qu'à mon avis, le cousin, il avait oublié un truc dans la voiture. Bon, je vais aller le voir. Bon, explique-moi déjà pourquoi t'es dans cette voiture. Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Bah je me suis endormi et... Tu voulais pas aller chercher un truc dans la voiture par hasard? Non mais tu peux me le dire, parce que de toute façon là, tu vas être très mal en point. Cette voiture est hantée, elle peut démarrer à tout moment. Mais je savais pas à ce moment là quand je suis rentré. Ok, c'est trop bizarre. Bon, surtout ne bouge pas parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Comme elle est hantée, elle peut te transformer en je ne sais pas quoi. Elle peut démarrer. Je vais aller chercher Peppa Pink, on va essayer de l'ouvrir. Sans la casser. Ok. Ce que je lui dis pas non plus, c'est que quand j'étais bloqué dans cette voiture, je me suis senti vraiment bizarre. J'ai eu des sensations sur mon visage comme si j'étais en train de me transformer et de devenir une autre personne. Enfin bref, ne surtout pas jouer avec cette... Ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Eh oh! Ça va le cousin là? Eh oh! Eh oh! Ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oh! Ok, redonne-moi le chat. Le pauvre chat, reste là, t'inquiète pas. Non mais, ça va? Tu vas bien? Mais pourquoi il est en piggy maintenant? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, non! Ok, bon,
Quand je vous ai dit que ça allait vraiment pas bien, elle peut nous transformer. Là, il est devenu en Piggy. Pour ceux qui savent pas, Piggy, c'est une sorte de cochon qui vient d'un jeu vidéo. Et en fait, il nous poursuit partout dans notre maison quand il apparaît. Bon, écoute. Quoi? Ah ouais, non, mais là, t'es totalement transformé en Piggy. C'est toi? C'est toi? Je sais que... Tu vas bien? Ok, bon. Au moins, Piggy est attaché. Mais si d'un coup, il peut se détacher, il va commencer à tous nous poursuivre. Ok. Oh non, attends. Il commence à sortir. Oh non, 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 non. Faut que je reste à l'intérieur. À la porte? Elle ferme plus. Elle ferme plus. Ok, les amis, faut que je me cache. Bon, je vais me cacher ici. Faut que j'envoie un message à Peppa Pink et Lily Rose pour les prévenir. Parce que Piggy, il faut absolument pas qu'il rentre chez nous. Enfin, en tout cas, faut pas qu'il nous voit. Parce que sinon, il va commencer à nous poursuivre. Ok. J'entendais pas. Je sais pas si vous entendez. Il y a des pas. Vous entendez pas? Ça tombe, il est derrière la porte. Oh, j'ai l'impression qu'il est rentré dans... Je vais lui faire croire que je suis tout seul ici. Là, il n'y a plus une seule trace du cousin. Là, j'avais l'impression de voir le cousin et en même temps Piggy, mais... Non, Piggy! Écoute, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Non, non, écoute. Je sais que c'est le cousin derrière tout ça et que t'y peux rien. Mais là, t'es sous forme de Piggy. Il faut que tu nous laisses tranquille, ok? Non, 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 non. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Bon. Bon, la voiture. Je sais pas quel fantôme est en train de hanter cette voiture, mais s'il te plaît, laisse notre cousin tranquille. Ouais, le pauvre chat qui est là. Bon, allez, allez, descends. Ça sert à rien d'être sur le toit. Bon, ça va, il est bloqué. Il est bloqué ici. J'ai envoyé un message à Peppa Pink et Lily Rose. Ouais, allô, Lily Rose? Ouais, je t'envoie un petit message là. Surtout fais attention, restez bien dans la chambre avec Peppa Pink. Là, il y a Piggy. Alors, on me demande pas pourquoi, mais il y a Piggy qui était dans notre voiture. C'est Valentin qui s'est transformé en Piggy. C'est notre cousin qui s'est transformé en Piggy. Et le chat qui est rentré dans la voiture. Le chat, sors d'ici. Sors. Allez. Il va se faire hanter à son tour, il va devenir un mini Piggy chat. Bon les amis, je vais essayer de régler cette situation avec Piggy, surtout que la porte s'est ouverte là. On se dit à la prochaine vidéo. Vous pouvez aller sur notre site en cliquant juste là pour acheter l'album de Lily Rose, des pulls, des gourdes, des t-shirts, ou cliquer sur une autre vidéo qui apparaît. On se dit à la prochaine et bye bye. Non, c'est pas possible.